Parler d'empathie, le choix du thème ce mois-ci à travers le monde est assez fabuleux. Quand Jacques me l'a proposé, j'ai d'abord dit oui, puis après ça j'ai fait wow. L'empathie dans le travail de l'acteur, en tout cas moi c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui plus précisément. Pour tenter de sortir des lieux communs, j'irai dans des exemples plus concrets, je suis quelqu'un d'assez concret. Oh, là, j'ai une phrase de Molière qui tourne dans ma tête, là, la fameuse réplique « Mais que diable allait-il faire dans cette galère? » Là? Là, ça tourne dans ma tête. Si en ce moment, vous vous dites « Oh mon Dieu, je ne voudrais pas être à sa place, j'aurais les lèvres sèches, les genoux qui tremblent. » Merci, vous faites preuve d'empathie à mon endroit et c'est formidable. La scène, l'empathie, c'est des zones avec lesquelles je suis confortable. Là où je suis moins confortable, c'est qu'à cause de la nature même du sujet qui est l'empathie, je devrais parler de moi. Et c'est quelque chose que je ne fais pas souvent. Mais l'empathie, c'est le partage. Donc forcément, je dirais souvent « je ». Et vous m'en excuserez d'avance si j'abuse, mais je voulais absolument que cette rencontre soit une rencontre. Et ça, ça se fait à deux. Bonjour Marie-France. D'abord, je me suis demandé comment ça se fait que dans ma vie, j'avais frôlé si souvent l'empathie. Comment ça se fait que j'ai rencontré des rôles où les personnages étaient empathiques ou devaient faire preuve d'empathie? Je ne m'étais jamais posé cette question-là avant. J'ai demandé aux metteurs en scène, des metteurs en scène précis qui m'avaient engagé pour des types de rôles précis, est-ce qu'il y a un casting pour l'empathie? Est-ce qu'on va naturellement vers un type physique? Et tous, avec différents termes, m'ont dit qu'on va vers ce que l'acteur dégage. Mais ça, là, ce que l'acteur dégage, on n'en est pas vraiment responsable. On n'est pas, vous dégagez quelque chose comme être humain, vous n'êtes pas des comédiens, vous entrez quelque part, chacun a sa définition. Donc, je leur ai dit, oui, mais encore, qu'est-ce que tu veux dire par qu'est-ce que je dégage? Puis, c'était pas de la curiosité personnelle, c'était vraiment pour comprendre. Et les termes utilisés, c'était profondeur de sentiment, écoute active, générosité, bonté, disponibilité de l'esprit, disponibilité du cœur, absence de jugement. C'est super, c'était toutes des belles affaires, là. J'étais vraiment satisfaite. Mais je me suis dit, OK, donc, on pourrait parler plutôt d'un casting d'âme. Puis ils m'ont dit, oui, c'est exactement ça. Donc, comment ça se fait que moi, je dégage ça? Je ne sais pas. Je peux vous dire peut-être que le fait... Ça va, monsieur? OK. On sent bien à l'aise, tout le monde, hein, si quelqu'un veut venir faire ici. Est-ce que, parce que dans ma vie, j'avais eu un parcours plutôt difficile, une enfance plutôt difficile, est-ce que parce que j'ai rencontré la mort d'un parent très tôt dans ma vie, est-ce que c'est quelque chose qui a marqué ma personnalité? Je pense que oui. Je pense que ça a laissé des empreintes. Et puis forcément, la sensibilité est moins loin, mettons. Et c'est moins compliqué d'aller dans certaines zones que dans d'autres. Donc, j'ai pensé que c'était peut-être à cause de ça que les gens avaient pensé à moi pour l'empathie. On va se donner... Il y a un petit bébé ici, je suis tellement contente, là. Ça prend tout son sens. On va d'abord se donner une définition commune de l'empathie, parce qu'il y a beaucoup de synonymes. Hein. Il y a bonté, compassion, sympathie, gentillesse, mais c'est quoi véritablement l'empathie? Les psychologues, au début du siècle dernier, Freud, ont identifié particulièrement cette émotion, ce trait de personnalité, parce que c'est un trait de personnalité. Et ils ont identifié 4 axes principaux dans l'empathie. Je vais vous les énumérer. C'est la capacité d'avoir une perspective sur une situation,
et entre parenthèses, la capacité d'épouser la perspective d'autrui, l'absence de jugement, ce qui est très difficile parfois, si le fun d'avoir une opinion puis un jugement, si facile aussi, reconnaître l'émotion, se développer un vocabulaire émotif, donc, et la capacité de partager et de communiquer cette émotion-là. C'est très, très proche de la définition d'acteur. C'est très, très proche de mon travail. Quand on parle du métier d'acteur, vous les entendrez souvent dire « j'entre dans la peau de mon personnage »,« j'incarne un personnage, je suis en recherche de vérité, je suis en recherche d'authenticité ». Et ça, ça colle parfaitement à la définition de l'empathie. L'empathie, c'est un choix. C'est un choix difficile. Parce que pour communiquer de façon empathique avec toi, je dois forcément entrer en contact avec la partie souffrante en moi. Et c'est dans ce partage qu'il y a véritablement empathie. Moi, c'est avec des personnages. Et mes personnages, c'est des gens. C'est des humains. Je vous parlerai de trois types d'empathie auxquels l'acteur peut faire face. L'empathie du personnage, l'empathie qu'on veut susciter chez le spectateur et l'empathie du comédien lui-même. Et surtout avec des exemples quand c'est moins évident. Qu'est-ce qui se passe avec un personnage moins empathique quand on sort des zones et qu'on doit, par exemple, défendre des personnages plus difficiles à aimer? Ça va jusqu'à présent? Excusez-moi, je tourne mes fiches. Pour vous parler de l'empathie du personnage, est-ce qu'il y en a hier qui ont vu Paul à Québec? Bon, vous allez comprendre de quoi je vais parler. Et ceux qui ne l'ont pas vu, quand vous le verrez, vous comprendrez pourquoi je parle de ça maintenant. La première fois que j'ai eu à travailler un personnage empathique, c'était pour un film qui s'intitulait « La lune viendra d'elle-même », un film d'auteur écrit et réalisé par Marie Janseille. C'était la première fois que je faisais du cinéma, donc que j'aurais ma face sur un grand écran comme ça, j'étais terrorisée. Alors, je me suis dit « bon, ben, va falloir que je travaille d'une autre façon, j'ai pas les outils ». Grosso modo, ce film, c'est l'histoire de la fin de la vie d'une jeune femme qui est en maison de soins palliatifs, ceux qui ont vu le film comprennent. Et je jouais donc l'accompagnante de cette jeune femme. Dans le film, la maison s'appelle La Maison Jaune, et c'est donc les derniers mois de cette jeune femme. Quand j'ai réfléchi au personnage, j'ai cherché une définition de ce qu'était qu'un accompagnant. C'était une zone que je ne connaissais pas. J'ai donc cherché une définition un peu plus philosophique de l'accompagnement pour m'aider à me guider dans mes recherches. Si vous le permettez, je vais vous la lire. On dit « L'une des caractéristiques principales de l'accompagnement en fin de vie, outre le volontariat, réside dans la dimension empathique. » Les accompagnants ont le devoir de remplir leurs tâches en se focalisant sur les attentes des patients, savoir occuper une juste distance, tout en faisant l'effort de se mettre à la place de son interlocuteur. J'aurais pu utiliser mes outils habituels, sensibilité, capacité d'écoute, mes enfants étaient petits, j'aurais même pu utiliser mon instinct maternel, que sais-je, tout ce qui pouvait m'aider à entrer en contact avec un univers que je connaissais peu. Le moyen que j'ai trouvé, c'est d'aller travailler comme bénévole dans une maison d'hébergement, dans une maison de soins palliatifs, pour un peu regarder comment ces gens travaillaient. Je suis allée les rencontrer, je leur ai parlé de ma démarche, ils m'ont engagée, ils ont toujours besoin de bénévoles. Et j'ai fait ce que les gens font, passer le balai, nourrir les patients, prodiguer des soins de confort, faire la lecture. Je pensais qu'en maîtrisant les aspects techniques du personnage, que j'arriverais à donner de la crédibilité au mien. Et puis, oui, bien sûr, mais en les regardant travailler, j'ai compris que tout est dans la manière de faire les choses. Et je vous dirais que pour un acteur, quand on a joué l'empathie, que tout est dans la manière.
Et j'ai trouvé mon personnage là où je ne soupçonnais pas qu'il était. C'est dans ce qui n'était pas dit, dans la pudeur, dans l'effacement. Et concrètement, ça se manifestait par où vont les yeux, où va le regard quand on fait la toilette intime de quelqu'un? Quel est le type d'inflexion de voix quand on raconte une histoire à quelqu'un qui est en souffrance? Comment on investit notre corps pour prodiguer des soins de confort ou d'hygiène? Et c'est dans cet effacement-là, dans le respect que j'ai vu chez les accompagnants, toute ma source s'est trouvée là. Est-ce que c'était absolument nécessaire? Est-ce que le spectateur a vu la différence? Je ne sais pas. Chose certaine, ma démarche était empathique pour aller à la recherche de ce personnage-là, et je suis certaine que j'ai donné au spectateur des clés pour avoir accès au reste de l'histoire, à ce personnage-là, à ce qu'elle vivait. Et je vous dirais que c'est difficile de parler concrètement de quelque chose qui est ressenti, mais que le corps, lui, se trompe jamais. Le corps, une fois qu'il est investi dans quelque chose, et le film Paul à Québec, vous verrez, est rempli de ces moments où on voit les gens s'occuper de quelqu'un. Et l'empathie de mon personnage, qui était donc une accompagnante, c'est son travail, c'est ce qu'elle fait dans la vie. Ce n'est pas du tout la même approche, par exemple, que pour la famille, ou quand c'est un enfant, ou quand c'est un amoureux. Donc, ça, c'était pour un peu parler de l'empathie du personnage. Je vous parlerai maintenant de l'empathie qu'on doit susciter chez le spectateur. C'était au cinéma, ce qui est un médium particulier aussi. Le média, on dit souvent au cinéma, il suffit que tu y penses pour que ça paraisse. Oui, mais pas tant que ça. Il faut quand même travailler un peu. Donc l'empathie qu'on suscite chez le spectateur. Je jouais dans WIT, qui a été présenté ici l'année dernière. On présentait au Katsu, moi c'était en 2006. WIT, c'est l'histoire d'une chercheure, en fait c'est une professeure, une spécialiste de la poésie anglaise du 16e siècle, je pense, qui était jouée par Louise Turcot, qui était magnifique d'ailleurs, et qui est aux prises avec un cancer en phase terminale. Et qui tout de suite abat le quatrième mur. Le quatrième mur, pour ceux qui ne le savent pas, quand on est sur scène, il y a ces trois murs et vous. Donc, quand on dit qu'on abat le quatrième mur, c'est qu'on s'adresse directement au spectateur. Donc, Viviane, Louise Turcot, s'adressait directement au spectateur, leur annonçait froidement qu'elle avait un cancer, c'est une femme de tête, c'est une femme qui rationalise sa maladie et qui accepte donc de participer à une recherche clinique pour un traitement, pour essayer de combattre son cancer. Donc, on est beaucoup dans un milieu médical, de chercheurs, de gens qui intellectualisent, qui rationalisent. Il n'y a pas beaucoup d'émotions en place. Sauf qu'il y a une infirmière. Susie Monahan, c'était le nom de mon personnage. Je vais changer ma vie. D'accord. Moi, je joue l'infirmière, Susie Monahan, qui est un peu Denise Guilbeault, qui était la metteur en scène, me dit « Écoute, Dominique, pour que mon objet artistique soit réussi, j'ai besoin que les gens soient touchés. Il faut que le personnage de Susie Monahan rende Viviane accessible aux spectateurs. Tu es donc le lien empathique entre eux. » Moi, je me dis « Pas de problème. » Je viens de travailler, la lune viendra d'elle-même. Je viens d'aller dans des sphères de l'empathie. Je vais pouvoir me servir de mon travail. Les répétitions commencent. On est au théâtre, là, hein? On n'est pas au cinéma. Les répétitions commencent, une semaine, deux semaines. Et un jour, Denise me dit, j'y crois pas, Dominique. Hein? Non, elle dit, j'y crois pas, j'ai l'impression que tu as juste une patiente. J'ai l'impression que tu es accompagnante. Là. J'ai besoin du réalisme de l'infirmière. J'ai besoin de savoir qu'il y a 15 autres patients sur l'étage. Donc, tu es trop empathique. Oh. Alors, je me dis donc, si je comprends bien, le moment là, c'est de susciter de l'empathie pour un personnage un peu antipathique à travers un personnage qui l'est trop. C'est ça, là? Elle dit, c'est exactement ça. Wow!
OK. Je suis donc allée me réfugier encore dans les aspects techniques du personnage, parce que quand je ne sais pas où aller, je me dis toujours, je vais travailler sur quelque chose de concret. Je suis quelqu'un de concret, j'aime les choses concrètes. Donc, puis dans la vie, en plus, je ne suis pas quelqu'un qui a une grande dextérité manuelle. Je suis vraiment poche, en fait. Mais j'ai souvent eu à jouer des personnages qui, eux, étaient très habiles de leurs mains. Des pianistes, des tricoteuses et des infirmières qui doivent poser des solutés, des sondes. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup focussé sur l'aspect technique en me disant, ben en tout cas, si jamais je ne suis pas bonne, au moins ils vont croire que c'est possible que, parce que je suis vraiment agréable à regarder dans mes gestes. Le temps passe, on répète, je suis toujours en train de chercher le dosage entre empathie, pas empathie. Le personnage de Viviane qu'a joué Louise aussi était de plus en plus difficile à aimer parce qu'elle l'avait bien développé, parce que c'est un personnage antipathique. Et vraiment, et la relation entre Louise et moi était très belle, mais abardassait beaucoup, beaucoup son infirmière. C'est un peu ça le propos aussi, parce que par le fait même, elle bardassait tout l'aspect sensible de sa personnalité. Elle bardassait tout ce qui était l'humanité en elle, parce que c'était trop effrayant d'y plonger. Alors, le soir de la première arrive, et puis j'ai toujours pas l'impression d'avoir touché, d'avoir rencontré le mandat que Denise m'avait demandé. Et ça m'est arrivé, ça m'est apparu une fois que les spectateurs ont été là, ça a été extraordinairement clair. Il y a une scène très simple, sans flaflos, la scène est dans la pénombre, Viviane est couchée sur son lit, et Suzy entre, prend un pot de crème, et met de la crème sur les mains du personnage. Et vu que c'est quelqu'un qui travaille bien, elle fait doigt après doigt, phalange après phalange. Et soir après soir, il y a eu une explosion, et j'exagère pas, de sanglots précisément à ce moment-là. La puissance de l'empathie était telle, on ne parlait pas de pitié, on ne parlait pas de gentillesse, on parlait de véritable empathie. Et c'est parce que ce n'était pas un geste amoureux, parce que ce n'était pas un geste filial, mais parce que c'était le geste d'une professionnelle, d'une étrangère, qui prodiguait des soins bien faits à une patiente, c'est ce qui rassemblait tout le monde autour de cette idée qu'un jour, quelqu'un va s'occuper de nous de cette façon-là. Et à ce jour, je vous dirais que c'est l'expérience, la rencontre la plus puissante que j'ai eue avec les spectateurs. Et c'était extraordinaire parce que l'empathie, elle était pour Viviane. Donc, le mandat était complètement rencontré. Et j'ai parlé avec d'autres actrices qui ont joué cette pièce et qui ont joué le même personnage que moi. Et elles aussi, chaque soir, elles étaient aux prises avec cette immense émotion qui s'engageait chez tout le monde quand tout le monde est exactement à la même place au même moment. Et pour ça, je remercie beaucoup Denise de m'avoir offert ce rôle. Puis je fais une petite parenthèse, ce rôle restera toujours, toujours, toujours gravé dans ma mémoire. D'ailleurs, j'ai reçu un prix pour cette pièce. Et je vous le dis pas pour me vanter, mais juste parce que le jour, des fois, j'ai des doutes. J'ai des doutes sur mon talent, j'ai des doutes sur l'humanité, j'ai des doutes. Puis je regarde ce prix et je me dis, non, j'ai déjà vécu un moment de grande, grande empathie collective, et je sais que c'est possible. Donc, voilà, ça c'était pour l'empathie qui est prodiguée aux spectateurs. Pour ce qui est de l'empathie que doit avoir l'interprète, ça se passe bien? Vous vous ennuyez pas? OK. Il nous reste combien de temps, là, genre? OK. Préparez-vous un petit déjeuner, un dîner, un souper. OK, l'empathie de l'interprète. Là, on est allé dans des zones plus évidentes, dans des sentiments plus rassembleurs autour de l'empathie. Mais qu'est-ce qui arrive quand on doit jouer un personnage qui ne l'est pas?
C'est pas quelque chose que moi, j'ai travaillé personnellement. J'ai passé des auditions, je les ai pas eues. Mais j'ai demandé à des collègues à moi qui avaient, eux, été précisément dans ces zones où il est très, très difficile d'aimer son personnage, ou en tout cas, tout le moins, de pas le juger. Et j'ai demandé à Luc Picard, qui a incarné avec brio Roque Thériault dans l'affaire Roque Thériault, dans Le Collectionneur aussi, où il joue un psychopathe. Et j'ai demandé à Hélène Bourgeois-Leclerc, qui a joué la marade dans Aurore l'enfant martyr. J'étais vraiment curieuse de savoir comment ils avaient abordé leur personnage. D'emblée, je vais commencer avec Luc. Je lui ai demandé, est-ce que pour toi, un acteur doit nécessairement être empathique? Et pour lui, la réponse a été instantanée. Oui, pas d'empathie, pas de vérité. Puis je lui ai dit, bon, très bien, je l'ai un peu piégé. J'ai dit, bon, alors, mais et Roque Thériault dans tout ça? Comment ça se passe? Et il m'a dit que pour lui, ça n'avait pas été différent de son travail pour les autres, des autres personnages. Luc a utilisé la phrase, il dit « J'essaie toujours de voir le monde à travers les yeux de mon personnage. » Donc, avoir de la perspective, pas de jugement, trouver du vocabulaire et essayer de transmettre les émotions de ce personnage-là. Il n'est pas arrivé à aimer ce personnage, mais il disait que l'amour, ce n'est pas une dimension nécessaire tout le temps. Et même, il m'a dit n'être jamais, lui, tombé amoureux de certains de ses personnages. Alors que moi, oui, mais l'amour, dans ce cas-ci, il n'y est pas arrivé avec Roque Thériault. En fait, ce qu'il a trouvé le plus difficile, c'est qu'à ce moment-là, son fils venait de naître. Son fils avait quelques mois. Et il était dans cette magnifique bulle nimbée d'amour qu'amène la paternité. Et ce qu'il a trouvé difficile, c'était de s'arracher de cet univers-là pour aller sombrer dans les zones laides de l'humain. Et étant donné qu'il était père pour la première fois, ça a ajouté une dimension qu'il n'avait pas soupçonnée chez lui. Et il m'a dit qu'il avait même développé que sa rencontre avec Roque Thériault s'est aussi mutée avec la peur qu'il arrive quelque chose à son enfant. Émotion qu'il vivait pour la première fois parce qu'il n'avait pas été père avant. Il me disait aussi que jouer Roque Thériault, pour lui, c'était plus qu'un rôle, que c'était un état d'âme, un état d'esprit duquel il était vraiment heureux de se détacher quand ça a été fini, les journées de tournage. Et quand on voit le film, après, on voit toute la dimension tragique du personnage. Et ce qui est intéressant, c'est que Luc disait... Ce personnage-là, il ne sait pas, lui, qu'il est un monstre. Quand il se lève le matin, quand il boit un café, quand il embrasse ses enfants, il n'est pas au courant, lui, qu'il est monstrueux. Donc, c'était dans son... Il pouvait aller se rattraper dans le quotidien de ce personnage-là. Puis ensuite, vous partez? Ah, fiou, OK. donc, il disait que c'était dans le quotidien qu'il avait réussi à trouver le concret du personnage. Et puis, ça lui permettait, en fait, de garder la tête froide parce que... Un acteur professionnel doit refaire et refaire et refaire et refaire la même scène plusieurs fois. C'est là aussi que le travail de l'acteur entre en ligne de compte, c'est-à-dire que c'est correct là, de le jouer une fois, mais il va falloir le faire 15 fois dans la journée. Est-ce que 15 fois je vais me mettre dans tous ces états? Et c'est là qu'on appelle le dosage de l'émotion, arriver à doser et à faire grimper tranquillement. Les premières fois qu'on joue la scène, on ne les joue pas comme les dernières fois. Plus on crée l'empreinte, et ensuite, de fois en fois, plus le plan se rapproche, plus on y va intensément. Parce que ben, s'il y en a qui pensent que c'est facile, oui, c'est facile. C'est pas super difficile de le faire une fois, mais le défi, c'est de le faire plusieurs fois puis que ça soit bon. Parce que ça, quand même, faut être bon. Hein. Pour Hélène, pour la marâtre, moi, j'avais auditionné pour ce rôle-là. J'aurais bien aimé ça de l'avoir. Mais c'était la fabuleuse Hélène qui était si bonne. Elle était très contente quand je l'ai appelée parce qu'elle me dit « Ah, pourquoi tu m'appelles? » J'ai dit « Ben, je vais te parler de la marâtre. » Elle dit « Oh, merci! » Puis c'est drôle parce que quand même, c'est pas quelqu'un d'aimable tout de suite, cette marâtre. Et elle aussi, je lui ai posé la question « Est-ce que tu penses qu'un acteur doit être empathique? » Mais elle m'a dit « Oui. » Et elle a tout de suite parlé de vérité. Elle dit « Moi, ma recherche, c'est une recherche de vérité. » Puis il n'y a pas de vérité sans empathie. Pour elle, c'était vraiment clair. Quand je lui ai dit comment tu as abordé ta marâtre, elle, ce qui la traumatisait, c'était le fait que le personnage ait existé et qu'on était très documenté. Roque Thériault aussi a existé, mais c'est une dimension dont Luc ne m'a pas parlé.
Et le fait que ce soit si documenté, qu'on sache tant de choses sur elle, que ce soit presque un personnage de la mythologie québécoise, c'était difficile parce que plus elle en apprenait sur elle, plus elle la détestait. Alors je lui dis, alors t'es passée par où? Alors elle dit, je suis allée dans des zones familières du personnage. Jalousie, manipulatrice, manque d'attention. Fabulatrice, menteuse. Elle dit, j'ai connecté avec ces zones-là que je connais plus. Puis elle dit, tout naturellement, c'est horrible ce que je vais dire, mais tout naturellement, ça m'a menée à la cruauté. Et la clé, elle, pour y arriver, c'est que son personnage est dans le déni complètement. Elle était complètement, la marade dit toujours que c'est la faute d'Aurore, que c'est la faute de l'ex-femme. Et ça, pour elle, c'était une façon de se déresponsabiliser, d'oublier qu'elle était responsable du malheur de quelqu'un. Donc ça, pour Hélène, ça a été vraiment la zone de confort où elle a pu faire ce qu'elle avait à faire. Elle avait un partenariat particulier aussi avec la jeune fille qui jouait Aurore. Elles étaient très, très proches dans la vie. Elles avaient connecté de façon plus qu'amicale parce qu'elles avaient des zones si difficiles à jouer ensemble que c'était important. C'était une enfant aussi qui était elle aussi magnifique. Donc, pour Hélène aussi, un passage douloureux, un oubli de soi pour arriver à une vérité. J'ai vu des acteurs en larmes. J'ai joué une scène avec, je faisais une femme qui se faisait battre. Et mon batteur, c'était Normand Chouinard. Et je me souviens très bien, entre les prises, de voir Normand pleurer à chaudes larmes parce qu'il trouve difficile de se connecter sur cette partie de l'homme qu'il méprise. Donc, c'est un choix qui est par moments difficile. J'ai même déjà refusé un rôle, le rôle d'une mère incestueuse avec ses garçons. Parce qu'à ce moment-là précis dans ma vie, j'étais pas capable, j'avais pas envie d'aller dans ces zones-là. Et ça, il y a des moments dans nos vies où on est plus prêt à aller dans certaines zones que d'autres. Maintenant, c'est quelque chose que je pourrais jouer, mais à cette époque-là, mes enfants étaient petits, c'était beaucoup plus douloureux pour moi, puis je pense que j'avais pas l'espace mental ou l'espace émotif pour garder une zone saine entre le travail et la vie. Parce que l'empathie, il y a un prix à payer parfois, puis ça sera mon dernier point. J'ai joué l'année dernière dans un spectacle qui s'appelle Testament, qui relate... vous remarquerez que moi, mes zones, ça a toujours été la mort, le cancer, la maladie, quelque chose qui est collé, qui est une empreinte dans ma vie personnelle, puis il y a eu comme rencontre entre les deux. À chaque fois, ça me bouleverse. Même qu'on m'appelle pour parler de l'empathie, je fais « Ah, encore, j'ai encore ce rendez-vous. » Mais ça me fait plaisir. Donc, j'ai joué Testament, qui est la fin de la vie, encore une fois. C'est le legs de Vicky Gendreau, qui est cette jeune poète qui est morte à l'âge de 26 ans. Et j'ai joué la maman. On avait fait une lecture, et une lecture publique dans le cadre des Journées de la culture, et j'ai rencontré la mère. Et mon premier choc, c'était de constater qu'on avait le même âge, que ça pouvait être moi. Et elle m'a dit, je suis vraiment heureuse que ce soit vous qui jouiez mon personnage. Et à partir du moment où je l'ai rencontrée, où elle m'a serré la main, puis qu'elle m'a dit qu'elle était contente que ce soit moi qui joue son personnage, il s'est produit quelque chose en moi qui a fait en sorte que je ne pourrais pas ne pas rendre hommage à cette femme, et j'ai décidé de plonger dans mon propre chagrin, dans ma propre empathie, dans ma propre histoire. Donc j'ai fait l'exercice pendant le mois des répétitions et le mois de représentation de plonger soir après soir dans le vrai chagrin, dans la vraie émotion. C'est toujours vrai, mais là, c'est encore plus vrai. Est-ce que vous pouvez comprendre la nuance où des fois, je me sers de quelque chose, mais je le maîtrise bien, et une autre fois comme celle-ci, où j'entre en apnée profondément dans l'aventure de ce personnage-là. J'avais l'impression que de ne pas le faire, c'était comme une injure envers cette femme et envers son chagrin.
Et on était, Éric Jean, le metteur en scène, travaille beaucoup avec de la recherche. On fait beaucoup de recherches chorégraphiques. Et le seul flash qu'il avait pour ce personnage, il disait, je vois cette femme au fond de la scène, assise sur une chaise, qui pleure. C'était ça. C'était une femme qui ne parlait pas beaucoup, qui était muette pendant 1h15 et qui, à la toute fin, s'approche et parle. Donc, pendant le travail de recherche, un jour, je m'assois au fond de la salle, au fond de la salle, je prends une chaise, je m'assois. Et j'ai un flash d'une situation identique. Et je dis à Éric, écoute, je suis en ce moment, j'ai 22 ans, je suis à l'hôpital, ma mère vient de mourir, il n'y a personne, je suis toute seule et j'attends qu'on me remette les effets personnels de maman. Et c'est ça que j'ai mis là pendant un mois, pendant 2 mois, si on ajoute les répétitions. Puis je vous dirais que je ne sais pas si c'est une expérience que je vais retenter absolument à chaque fois. Moi qui ai d'un naturel assez joyeux, ma psyché en a été un peu atteinte. En plus, c'était en février-mars. Déjà, c'est pas super évident. Mais, ouais, je me suis dit, il est temps que les choses arrêtent. Mais j'ai aimé entrer complètement en état d'empathie complète. Donc, moi, j'ai presque fini. Je vous dirais en terminant que l'empathie, c'est un endroit où je suis extrêmement à l'aise. C'est une zone que j'aime. Puis j'ai compris que si je l'aimais tant, c'est qu'elle me permet d'aimer ceux qui ne sont plus là, que c'est un moment privilégié pour moi d'entrer en contact avec le gentil, le doux, le soyeux, l'humain, les hommes, les femmes, et que c'est vraiment là où je me sens le mieux. Voilà, merci beaucoup.